Добро пожаловать в мой канал. Deux hommes ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une course-poursuite avec la police à Toulouse, a-t-on appris auprès des pompiers. Les pompiers ont indiqué que les deux victimes étaient décédées dans un véhicule poursuivi par la police. Mais il est ni grec a pas eu de course-poursuite. Il est ni grec avait aucun véhicule derrière eux, a affirmé une source policière. Selon cette source, et il y eut seulement la mise en place d'un dispositif d'interception parce que cette voiture avait refusé d'obtempérer un contrôle routier, l'âge et l'identité des victimes, les deux seuls passagers de la voiture, n'ont pas été communiqués. En milieu de matinée, le véhicule avait été enlevé, la rambarde endommagée était en train d'être réparée, a-t-on constaté. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans les barrières de sécurité, a expliqué la police. L'une des victimes a été éjecté du véhicule, ont ajouté les pompiers. Aussitôt, police et gendarmerie avaient installé, comme habituellement, des dispositifs d'interception tant sur l'autoroute que sur les nationales et départementales environnantes. Selon la police, la recherche des fuyards a duré car ces derniers ont roulé successivement sur l'autoroute, la nationale mais aussi des départementales pour échapper aux forces de l'ordre. Quelques secondes avant l'accident, des effectifs installés sur un pont au-dessus de la 68 ont vu passer la voiture qui roulait toujours à très vive allure, a précisé cette source. Les policiers sont arrivés sur place juste après l'accident. Une autre course-poursuite avait déjà eu lieu à Toulouse voilà deux jours, avec deux policiers blessés.